Un dégradé, c'est facile à faire normalement. Qui dresse des cheveux derrière. Oh. Magnifique. T'as fait quoi là, mes cheveux? Bienvenue dans un contenu vidéo ludique. Tiens, what's up guys, my name is Flambiz. Je suis pas vraiment sûr de ce qui va se passer aujourd'hui, mais on va quand même le tenter. Aujourd'hui, je suis avec un coiffeur. Un coiffeur d'excellence, mesdames et messieurs. Coiffeur, es-tu là? Ouais, salut, c'est moi le coiffeur. Et j'étais en train de travailler là. Ça va, YouTube? Ça va, tranquille. Pendant le ramadan, je vais être asséché comme ça. Vas-y, explique le concept un petit peu là. En gros, là ça commence à être un peu la crise capillaire. Je sais pas si vous voyez. Voilà, y a plus du tout de dégradé. En ce confinement, y a plus du tout de coiffeur. Donc, ce qu'on aime gêner avec Samo, c'est que moi, je vais me bander les yeux à l'aide de ces petites lunettes rembourrées de papier comme ça. Je vais rien voir. C'est à dire que le résultat, je le verrai vraiment à la fin. Je vais devenir un coiffeur à distance pour Flambi. Un dégradé, c'est facile à faire normalement. Je me rappelle, regardez la vidéo maintenant. Non mais cette fois la solution que j'ai proposée, elle comprend pas une tondeuse. J'ai apporté un bonnet, la première journée de taf, et le soir tu vas chez le coiffeur. Y'a Elias, il y avait longtemps qu'il m'avait fait un dégradé. Bon, il m'avait pas mal réussi en soi. Eh hey, j'ai combien de doigts là? J'en sais rien. Et là? J'en sais rien frère, 3. Et là? 2. Mec ça... Ah, t'as dit quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais frère? En tant que coiffeur, tu vois, en fait, ce que tu dois dire, tu vois, c'est que chaque tête correspond à une coiffure différente, ok? Toi, t'es unique, tu vois. Alors moi, ce non, que moi, je te conseille arabe. De faire... Moi, je suis arabe, je mérite un dégradé. J'essaie de les rembourrer, là. C'est bon ou pas? C'est bien, vrai. Comment t'as fait? J'en sais rien, frère, c'est une dégâts. Parfait. Là, mais je te jure que là, t'es parfait, là. On dirait, tu sais, on dirait qui? Mais dis-moi, on dirait Elvis. On dirait Elvis Presley, mec. Oui, vas-y. Je suis en train de monter mon bureau là. Allez, ah, d'une okay. Manivelle comme ça. Aïe! T'es bien là, t'es bien. Et en vrai de vrai, tu sais que là c'est propre, hein. Ok, vas-y, ouais, continue. Disclaimer. Si j'ai autant de pellicules, c'est parce que j'ai une maladie qui s'appelle psoriasis. Renseignez-vous. Et ceux qui l'ont, on est ensemble, chacal, hein. Mais ça casse les couilles. Ok, là, tu vas me faire confiance, ok? Tu vas couper un peu derrière. Tu coupes ton oreille. Découpe là, mec, ton oreille. Parce qu'elle gêne. Aïe. Ok, parfait. T'as un morceau de cheveux là qui reste un peu au milieu. Faudrait que tu le découpes là, ouais. Bien comme il faut. Là, tu vas faire un truc de coiffeur, c'est-à-dire tu vas te passer une main dans la nuque un peu pour enlever tous les veuches. C'est une technique que j'ai inventée. Ça s'appelle la technique nettoyante. Mais là, t'es bien parti là, je pense. Hein. Parfait. Là, je peux gérer des meufs ou pas là? Mais non, mais touche plus rien là, t'es bien en vrai. Je te jure, t'es bien. C'est bon, c'est fini. Ouais, je pense que c'est bon là. Hein. C'est fini ou pas le chat? Oui, il y a tout le monde qui a dit oui là. Ah, je peux regarder le chat au moins. Oui, ouais, vas-y. Oui, oui, nickel. Ouais, bon, comme quand tu sors du coiffeur, le coiffeur il dit que ça, beau gosse. Tu vas dire beau il gosse. Il dit c'est bien. Écoute, il te dit comme ça, c'est bien comme ça, chef. Et tu dis oui alors que t'as le seum de ouf. Tu dis parfait, merci. Mais tu sais que là c'est bien. Juste, tu vois au-dessus, les pattes, tu vois les pattes ou pas? Même les coiffeurs à chaque fois ils coupent, ouais. Ils te font des contours. Là, les pattes, là, à côté de l'oreille à gauche. Ok, un peu plus haut, un peu plus haut à côté de l'oreille. Tu sais les trucs qui sont les plus proches aux sourcils. Là. Mais oui, voilà. Il va se couper un sourcil, le con. Tu sais, on dirait qui? On dirait Skrillex. Bon, ça le connard, va. Mets-toi de dos à la cam et coupe derrière. Parce qu'il te reste des cheveux derrière. Encore plus, ouais. Ouais, là, t'es bien, là. Tu sais que vraiment, tu sais que tu fais pas de la merde, c'est ça qui me choque, hein. T'es mon coiffeur ou pas, wesh? Bah, évidemment, je suis un bon coupe-tif, moi, les gars. Appelez-moi le coupe-tif. Ok, parfait. Mais là... Ouais, exactement, là, t'es bien. Hein. Falloir que tu montes, là, hein, parce que, je sais pas, t'as pas eu la notion de la montée. C'est que ma vie, ça a toujours été une descente. Oh. Magnifique. Ok, t'as fait un bon trait, là. Encore. Tu sais que vraiment, là, que ça m'étonne, mais t'as bien coupé, hein. En fait, tu crois que t'es dessus, mais à chaque fois que tu coupes en dessous, genre, c'est bizarre. Mec, je les ai dégradés, hein. C'est fini? Attends, parce qu'il manque des cheveux un peu à gauche, à droite. Attends, tourne, fais un tour sur toi-même, on va regarder. On va évaluer avec le chat. Qu'on voit bien, là. Ok, il manque quelques cheveux par-ci, par-là. Est-ce que tu veux vraiment regarder? Laisse le moment de regarder, là. Tu sais que tu vas être ravi, en vrai, hein. Mais c'est quoi, ça? Attends, c'est un dégradé, ça?
T'es là, Samu? Oui, j'arrive. Je suis désolé, je dois te quitter, je dois te laisser, gros. T'as fait quoi, là, mes cheveux? En vrai, c'est rattrapable, je te jure, en vrai. C'est rattrapable! Mais c'est pas un dégradé? Bah si. C'est quoi, c'est pas un dégradé, Flambi? Vas-y, vas-y. Oh. Ouh, Yamamao. Bon, vas-y, tu sais quoi? En vrai, vu que t'es mon pote, je vais te faire payer que la moitié, ok? Mais t'es un baiser, frère! Je suis juste mi-chauve! Derrière, je peux pas voir. Attends, je vais me prendre une photo. Si t'as fait de la merde, t'es un homme mort, frère. Non, derrière, tu vas kiffer, je pense. Frère, vas-y, putain, vas-y, t'es le pire coiffeur du monde. Mec, j'excelle dans mon domaine, je te permets pas. C'est bon, je m'auto-dégrade là. Tu sais que c'est clean là. Toi, on dirait qui? On dirait XXX Tentation. Oh, t'as cul. Les gars, on dirait pas trop XXX Tentation en vrai. En vrai ou pas? Oui, oui, vraiment, mec. Mais en même temps, je devais m'en soucier à la moustache de ton daron. Bon, bah, du coup, tu m'envoies sur PayPal. Mais t'es un baiser, frère. Tu viens de me saccager le crâne, tu veux que je t'envoie sur PayPal? Bref, les frères, si vous avez aimé, likez. Dites-moi si en vrai ça passe, s'il a pas fait du petit bon taf que ça. On se dit à la prochaine, hein.